Merci beaucoup. Merci à l'Académie et à son président pour son accueil. Merci Valérie pour l'invitation. Merci aux Préopinons qui ont partagé des choses absolument passionnantes de mon point de vue d'anthropologue. Et puis en toute franchise, j'espérais un peu prendre des vacances en venant ici parler de travail. Prendre des vacances en parlant de travail, c'est peut-être un peu bizarre. Mais parce que la réalité était que j'étais en train de travailler sur ces questions il y a un peu moins de 3 ans. Et puis que quelque chose qu'on aura tous observé m'a diverti depuis, c'est-à-dire que j'ai repris ma casquette d'anthropologue de la santé pour traiter d'une autre question. Et en fait, dans tout ce que vous avez partagé, je vois énormément de similitudes avec le décryptage que j'ai pu faire de la crise dite sanitaire, mais qui évidemment n'en est pas une. Alors, je vais peut-être faire un tout petit point sur la crise Covid en allant vraiment à la substantifique moelle, parce qu'en fait, il y a un dégel aujourd'hui de la compréhension qui voit l'émergence de quelque chose d'autre que ce que nous avons tous entendu au cours des 3 dernières années. Et la réalité est que nos États étaient parfaitement préparés à gérer une pandémie respiratoire de cette envergure. Il y avait des plans, il y avait de l'expertise, il y avait des autorités de santé qui savaient exactement quoi faire. Et Laurent Toubiana, qui est le meilleur épidémiologiste français sur les maladies respiratoires, dit qu'il ne supporte pas d'entendre cette parole être dite « nous ne savions pas quoi faire ». C'est parfaitement faux, nous savions très bien quoi faire. Et d'autant plus, écoutez bien, que les dernières évaluations de John Ioannidis, qui est considéré comme un des tout meilleurs épidémiologistes au monde, montrent que la létalité réelle du SARS-CoV-2 avant vaccination est égale à celle de la grippe annuelle. Jusqu'à 70 ans, l'espérance de vie n'a pas été modifiée. Jusqu'à 70 ans, personne n'a été en danger de mort différemment qu'avec la grippe. Et donc, aux réponses naturelles qu'on savait devoir appliquer, on a substitué, figurez-vous, des réponses chinoises. Parce que la réalité, c'est que tous les plans pandémiques qui avaient été mis sur pied ont été mis de côté. On a dit il faut faire complètement autre chose et ressortir notamment des mesures qu'on savait être inutiles et dangereuses. Les confinements avaient été évalués comme étant dangereux, nocifs et générant tellement de destruction, notamment sur l'économie, mais les autres pathologies qu'il ne fallait surtout pas y avoir recours. Et toutes les mesures non pharmaceutiques, c'est-à-dire le port du masque, les fermetures des commerces et restaurants et écoles, la distanciation sociale, les dispositifs de traçage, avaient été identifiés depuis des décennies comme étant sans efficacité probante. Et la réalité, c'est que à ce qu'on savait devoir appliquer et que nous aurait permis de gérer cette épidémie comme une fleur, on a en fait dupliqué les réponses de la dictature chinoise par 2 canaux. Le premier, c'est l'OMS, qui a remisé de nouveau toute la connaissance et la bonne science en disant « il faut qu'on fasse ce que la Chine a fait ». Et le docteur Anthony Fauci, qui est le maître d'œuvre de la réponse américaine, vient de témoigner sous serment « mon adjoint s'est rendu en Chine en février 2020, j'ai trouvé convaincant ce que les Chinois faisaient et j'ai décidé, comme si un homme pouvait décider ». Alors il est au cœur de la corruption institutionnelle en santé, donc c'est pas tout à fait lui tout seul. Mais donc, nos pays ont appliqué ce que la Chine a mis sur pied. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est quand même troublant, c'est que tout ce dans quoi la Chine a été pionnière, le crédit social, tout le système de surveillance, etc., est en train de venir progressivement repris par les États occidentaux, et en l'occurrence avec 2 groupes à la manœuvre, qui sont le World Economic Forum d'un côté, bien sûr, et les fondations Gates. Une des rares enquêtes journalistiques récentes produites par Politico et Die Welt, qui sont des références en matière de journalisme d'investigation, ont montré que ce sont les fondations de Bill Gates qui ont décidé les politiques sanitaires de l'Occident. À travers 4 fondations, 10 milliards de dollars, et 10 l'enquête de Die Welt et Politico, c'est substitué à la souveraineté des États et des instances de santé autorisées, en posant quand même la question, en quoi un informaticien phobique et passablement névrosé doit-il être en charge de la réponse de l'Occident? Mais la question sous-jacente, et c'est là où j'en suis de ma réflexion, c'est quel est ce processus d'acclimatation des pires logiques déjà développées en Chine, imposées à l'Occident comme si c'était la seule voie pour aller de l'avant, alors qu'on sait qu'elles sont inhumaines, contraires à la dignité et surtout terriblement contre-productives. Et donc les dernières évaluations aussi de Ioannidis et d'autres équipes montrent que les interventions non pharmaceutiques n'ont eu aucune efficacité probante. Par contre, elles ont détruit la société,
principalement le tissu économique, mais aussi en creusant toutes les inégalités, c'est-à-dire tous les groupes les plus fragilisés au sein de la société sont ceux qui ont payé le principal prix. Donc voilà où j'en suis de ma réflexion sanitaire, j'en resterai là sur cette question, mais c'est vrai que tout ce que vous avez évoqué jusqu'à maintenant me montre que ce que je connais de la corruption institutionnelle dans le domaine de la santé a l'air d'être bien généralisé à d'autres domaines. Cela dit, ce préambule posé, je vais malgré tout prendre quelques vacances en vous parlant de l'entreprise et de sa dynamique humaine et des questions de l'anthropologie du travail, peut-être en précisant d'où je parle. Donc, un de mes terrains de recherche au cours des 15 dernières années a été la santé de l'entreprise, la santé en entreprise, à la lumière de ce qu'on connaît déjà assez classiquement à travers les risques psychosociaux et ce que toutes les neurosciences, toutes les découvertes que les neurosciences peuvent nous fournir quant à ce qui se déroule à l'entreprise. Alors, je suis désolé, ça apparaîtra probablement un peu simple, et ça l'est, parce que la complexité qui s'oppose à la complication a l'espace du simple. Il y a des choses simples, qui sont même tellement simples qu'on a de la peine à les penser. Et un adage dit, si c'était compliqué, tout le monde le comprendrait. Mais quand il s'agit de simple, c'est peut-être plus compliqué pour nous qui sommes compliqués d'y avoir accès. Mais donc, le premier constat que j'aimerais poser, c'est celui que, travaillant la question de la santé en entreprise, j'ai très vite mesuré qu'en fait, c'était la question de la santé de l'entreprise, que l'un et l'autre n'étaient pas séparables. Et quand on observe la réalité des stresseurs les plus impactants sur les collaborateurs, les plus importants d'entre eux sont d'ordre structurel et organisationnel. Et les réponses qu'on apporte en général par des programmes de promotion de la santé et de prévention des difficultés sont individuelles. On va vous apprendre à gérer votre stress. Mais le fait que la mauvaise organisation du collectif soit le principal stresseur, ça, on évite bien de s'y intéresser la plupart du temps. Effectivement, le travail a plusieurs valences, quoi qu'en dise la Genèse, anthropologiquement. Et la première, c'est de nous donner une dignité. Par la maîtrise d'un domaine ou d'un métier, nous acquérons une dignité où nous pouvons faire preuve de notre dignité vis-à-vis du collectif, avec toutefois une cassure qui s'est passée pendant les chocs pétroliers, qui a été que dès lors que le plein emploi disparaissait, la question devenait d'avoir un emploi et non pas un métier. L'important, c'était d'avoir un emploi pour ne pas être au chômage. Et évidemment que l'emploi est un trait pis-aller par rapport à un métier qui, lui, dote d'une noblesse. C'est quelque chose qu'on apprend auprès de maîtres, qui correspond à une vocation, qui nous donne une place établie dans la vie. Et c'est vrai que cette destruction des métiers qui se poursuit aujourd'hui à la faveur de la révolution que vous avez mentionnée est quelque chose de préoccupant sur le plan anthropologique. Deuxième valence, c'est celle de l'accomplissement. L'être humain, dans toutes les mythologies, est reconnu comme étant nu et faible à l'origine. Et en fait, la seule force qu'a notre espèce, c'est l'inventivité, le fait de trouver des solutions à de nouveaux problèmes et de progresser dans cette inventivité. Et il y a pour chacun d'entre nous un sentiment d'accomplissement, d'avoir réalisé quelque chose de worthy, qui en vaut la peine. Et d'ailleurs, dans un épisode de Lucky Luke qui s'appelle « Les Dalton se rachètent », un gouverneur propose une nouvelle politique pénale pour favoriser la réinsertion des bagnards, et donc il est donné une chance aux Dalton de travailler, ils ouvrent une banque. Et à la fin de la première journée, Joe Dalton est épuisé sur Heidi, « Je ne sais pas ce que j'ai, je me sens très fatigué, mais content. » Et là, un de ses frères lui dit « Mais c'est le travail qui fait ça, imbécile. » Et donc, ça fait partie de notre... Et puis le troisième élément, évidemment, c'est l'appartenance. Il y a quelque chose de tribal dans l'entreprise ou l'organisation ou l'institution. Et les relations de travail qui sont à la fois des relations qui ont vocation à être bienveillantes, mais pas des relations amicales. Et quand les relations de travail deviennent amicales, c'est souvent un risque pour les équipes. Mais ça veut dire qu'il va y avoir de la complaisance qui va se substituer à la relation franche de « on est tous là pour bosser et si quelqu'un ne fait pas son boulot, on en tient compte et on le confronte avec ça ». Et donc, vous voyez, il y a cet ensemble de valences qui sont constitutives du fait qu'il est aussi important d'être inscrit dans le monde du travail à travers un métier. Peut-être qu'un point de départ par rapport à la question de la santé en entreprise, c'est aussi de relever que notre neurologie a évolué pendant des centaines de milliers d'années pour être compétente dans un certain environnement. Et on sait que cette évolution est lente. Et en fait, nos neurologies sont faites pour être efficaces dans l'environnement qui existait il y a 5000 ans. Vous prenez Paris il y a 5000 ans, vous êtes dans une hutte,
avec un feu de bois, il y a des ours qui rôdent. Votre neurologie est parfaitement configurée à cet environnement. Avec l'évolution technique et technologique, il y a un emballement. Alors, on a des ressources d'adaptation qui sont absolument somptueuses. Il y a plein d'endroits où on a très, très bien réussi à s'adapter. Et il y a des endroits où on est pris en zone aveugle par rapport au fait que notre neurologie n'est pas conçue pour ça. Je vais peut-être faire une comparaison, c'est toujours utile. Imaginez, il y a 5000 ans, la quantité de sucre qu'il y avait dans un rayon de 10 km. Quelques racines, deux ou trois tiges, des fruits en été, que dalle. Aujourd'hui, combien de milliers de tonnes de sucre y a-t-il dans un rayon de 10 km? Et le problème, c'est que notre cerveau a une appétence complètement déraisonnable pour le sucre du fait de cette rareté originelle. Mais quand on nous plonge dans la vie contemporaine, aujourd'hui, la consommation abusive de sucre est le principal facteur de risque de la santé collective. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de stop par rapport à ça. Quand vous avez juste un peu de miel à choper de temps à autre, c'est OK de ne pas avoir de stop. Mais quand il y en a partout, ça devient problématique. Et donc c'est très intéressant de réfléchir les enjeux de la vie au travail aujourd'hui à la lumière de ces réalités neurologiques, dont de nouveau, certaines sont peut-être excessivement simples pour qu'on puisse en tenir compte. Alors, je vais vous donner deux exemples très, très parlants de ça. Le premier est très connu, je m'en excuse, c'est le système de stress. Un des grands spécialistes de cette question à l'université Stanford, le docteur Sapolsky, a écrit un livre qui s'appelle « Les zèbres ne font pas d'ulcère à l'estomac ». En fait, les zèbres, en tant que proie, sont chassés, enfin risquent d'être chassés en permanence, donc ils sont sous stress, mais ils ne développent pas d'ulcère à l'estomac. Et pourquoi? Parce qu'en fait... Parce qu'en fait, le stress est une réaction naturelle biologique au danger. Donc, si je me retrouve face à un ours, c'est normal que je sois stressé. Le sang se retire de mes organes digestifs, je libère toutes sortes d'hormones de vigilance. Mais si je suis dans un embouteillage et que j'ai peur d'arriver en retard à mon rendez-vous, je ne suis pas en danger, biologiquement, mais mon système va réagir dans ce registre-là. Et en fait, nous sommes aujourd'hui des empoisonnés du stress parce que nous avons perdu la compétence de faire la différence entre le dangereux et l'inconfortable, qui n'ont littéralement rien à voir. Et une fois qu'on le sait et qu'on arrive à avoir une conscience de soi suffisante pour observer quel est notre niveau de tension, on peut très régulièrement se rassurer en disant « Ok, c'est contrariant, c'est pénible, mais je suis en sécurité, de sorte à pouvoir tempérer cette réponse qui autrement peut devenir carrément létale pour la santé à haute dose. » Un autre exemple encore plus bête, nous sommes en fait, pour des raisons de sécurité d'appartenance, extraordinairement sensibles au rejet ou au négatif. Si quelqu'un vous fait une critique d'une certaine intensité ou vous fait un compliment d'une intensité comparable, le compliment, vous allez l'oublier en 3 minutes et la critique, vous allez la ruminer pendant 3 jours. Et en fait, on sait aujourd'hui que du fait de cette sensibilité au négatif, nous avons à entretenir plus de pensées positive que de penser négative à l'intérieur d'un certain ratio. Et de nouveau, c'est tellement bête que c'est presque consternant, mais savez-vous par exemple qu'on peut prédire une année à l'avance si un couple sera encore ensemble ou pas, ou une année et demie à l'avance la performance d'une équipe de travail, uniquement avec ce dispositif? Pour le couple, vous prenez 10 minutes, vous filmez en vidéo et vous les faites parler du début de leur rencontre. Et vous notez toutes les expressions positives. Elle était jolie, elle avait une robe, c'était un jour de novembre, même si c'est difficile aujourd'hui, je l'aime encore, je garde confiance. Et puis les expressions négatives. Oh, qu'est-ce qu'elle est casse-pieds, c'est plus comme avant, elle m'embête. Et si on est en dessous du 3 pour 1, à 94% de chance, le couple divorce dans l'année qui suit. C'est presque mécanique. Et pour le travail d'équipe, c'est exactement la même chose. Donc par exemple, dans l'éducation à ces réalités, le fait de savoir que dans les processus d'équipe, les colloques, de veiller, quand quelqu'un dit quelque chose, à éviter toutes les expressions méprisantes. Oh, il recommence avec ses conneries. Parce qu'en fait, c'est des grenades neurologiques. Alors que si vous apprenez à dire « Ok, je ne suis pas en accord avec ce qu'il dit, mais ça m'intéresse », vous voyez, ce qui est le même déclencheur, à ce moment-là, vous pouvez mettre extraordinairement d'huile dans le fonctionnement. Donc, c'est juste 2 petits exemples, mais qui, pour moi, illustrent l'intérêt des neurosciences appliquées à ce contexte. Cela dit, en ce qui concerne un modèle classique d'évaluation des risques, on sait qu'il y a toujours des facteurs de risque et des facteurs de protection qui dessinent des ressources et des contraintes dans un environnement.
Il faut savoir qu'il n'est pas bon d'avoir trop peu de contraintes. Il y a un certain niveau de stress et de défi qui est vivifiant, et en dessous de ça, on tend à perdre notre dynamique vitale. Mais après, évidemment, que ça dessine des facteurs de risque psychosociaux qui peuvent entraîner des dommages, qui après impactent très lourdement les entreprises. Et on sait que ce qui est le plus coûteux pour une entreprise, c'est l'absentéisme et le turnover. L'absentéisme est un marqueur imparable de la santé de l'entreprise. Alors ça, c'est vraiment linéaire. Dès que le taux d'absentéisme augmente, c'est qu'il y a quelque chose qui est en difficulté dans la santé de l'entreprise. Et dès qu'on améliore les choses, ça s'améliore aussi de ce côté-là. Cela dit, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui la recette du bonheur au travail. Alors franchement, ça valait la peine de venir. Et comme vous en doutez, ça n'a rien à voir avec ces tartes à la crème de « soyons heureux au travail », Chief Happiness Officer, hein, les injonctions « soyez heureux », si vous voulez être toxique avec votre entreprise, vous faites ça. Ça n'est absolument pas là que ça se joue, mais c'est extraordinaire. Ce que la recherche montre, c'est que le secret du bonheur au travail, c'est de pouvoir faire usage de ses compétences et les développer au service d'une cause noble dans le cadre de relations de qualité. Si vous avez ça, c'est une tuerie. Parce qu'au fond, c'est ce qui répond le plus à notre nature, d'homo sapiens sapiens. Alors évidemment, il y a une neurodiversité. C'est des gens qui sont plus extravertis, plus introvertis, plus audacieux. Plus... Mais ce qu'on a aussi vu dans les équipes, c'est que les profils timides, par exemple, jouaient un rôle capital dans le succès des équipes. Et alors que les timides, forcément ils sont timides, donc eux-mêmes ils sont intimidés d'être timides, donc ils ont l'impression de ne pas contribuer, et notamment que quand ce sont des personnes timides qui acceptent à des positions de management ou de leadership, c'est extrêmement bon en général pour le collectif. Ça veut dire qu'au lieu d'être beaucoup en train d'impulser, ils sont plus dans la retenue, ils observent mieux et ils arrivent beaucoup mieux à réguler les choses. Alors à ce sujet, il y a une typologie, parce qu'effectivement, vous l'avez mentionné et je vous en remercie, nous sommes des êtres tribaux. Pendant des centaines de milliers d'années, nous avons vécu dans des groupes de 80 à 120 personnes. Et en fait, il s'avère qu'aujourd'hui encore, même dans des sociétés complexes, nous avons à peu près 120 valences relationnelles dans notre vie. Dans toutes les personnes que vous avez connues, que vous connaissez et que vous connaîtrez, il y en a à peu près 120 qui sont significatives. Je ne parle pas des connaissances, je parle des gens secondaires, mais des gens qui sont importants dans votre vie. Et donc dans ce contexte originel, les 120 personnes étaient autour de vous, vous viviez avec pendant toute votre vie, puis aujourd'hui, avec les ruptures géographiques, les changements de direction, c'est un peu éparpillé dans nos vies, mais ça reste 120. Et une entreprise n'est jamais qu'une tribu, ou pour les entreprises plus larges, des tribus de tribus. Et donc, je me réfère beaucoup à cet égard aux études de l'Université de Californie à San Diego autour du leadership tribal, qui a réussi en fait à faire une nomenclature, mais qui, je pense, sera parlante à tout le monde, en dépit là encore de sa simplicité, en étudiant les entreprises qui avaient connu des moments de grâce. Ces moments où, comme dans un couple, où tout donne l'impression de bien marcher, il n'y a pas d'effort à faire, la créativité est maximale, la société est innovante, elle conquiert des marchés. Et en se disant, mais c'est quoi la différence entre une société qui est dans cet état-là et comment est-ce qu'on peut, à la lumière de ce décodage, envisager un chemin pour aider les entreprises à progresser dans cette direction. Et ce qui fait qu'ils ont fait une typologie des entreprises en 5 dimensions. La première, c'est les plus désorganisées, au bord de l'effondrement, c'est du chacun pour soi, il n'y a plus de solidarité, il y a un découragement total, du cynisme. Deuxième étage, c'est pas si pire que ça, mais c'est pas beaucoup mieux. Il y a beaucoup d'institutions notamment, mais pas que, qui sont dans cet état. C'est les entreprises sont découragées, donc chacun fait le minimum en préservant son précaré. Et si on ne dérange pas le collectif, on peut vivoter à peu près bien sans se faire trop embêter, mais il ne faut surtout pas essayer de changer les choses. Troisième niveau, c'est quand le collectif devient vivifiant, il y a de l'ambition. Par contre, il y a une forte compétitivité qui peut être un avantage d'un côté, mais qui met en échec la coopération. Et dans ce type de contexte, le fait d'être propriétaire de l'information donne un avantage compétitif. Donc il y a de la rétention d'informations.
Et pour illustrer ça, je discutais avec un neuroscientifique récemment à Genève qui avait fait une carrière d'abord aux États-Unis avant de venir dans l'arc lémanique. Et je lui demandais, mais quelle est la différence entre New York ou la Californie où vous avez travaillé et l'arc lémanique? Et il me disait, mais elle est très frappante. C'est qu'aux États-Unis, chaque équipe de recherche est dans la logique que certaines découvertes peuvent être brevetées, donc ne partagent rien avec les autres, et chaque équipe travaille dans son coin en communiquant le moins possible. Et me disait-il, dans la région lémanique, au contraire, les équipes sont extraordinairement ouvertes, elles se tiennent au courant de tout ce sur quoi elles sont en train de travailler, et donc ça crée une émulation et une circulation de l'information. Et donc quand on franchit ce passage du niveau 3 au niveau 4, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation de la productivité de 30% avec une baisse du stress de 30%, et que c'est caractérisé par le fait que les gens sont dans cette circulation d'informations. Puis le niveau 5, c'est l'état de grâce comme Apple a pu être pendant certaines années. Apple qui est en train de chuter au niveau 2. Quand on voit qu'ils sont en train de menacer de censurer Twitter sur leur plateforme et qu'ils ont restreint des plateformes qu'utilisent les manifestants chinois pour pas qu'ils protestent contre ce à quoi ils sont soumis, c'est qu'Apple est en train de passer au niveau 2. Et effectivement, ils n'ont plus rien innové de significatif depuis un certain nombre d'années. Donc voilà un peu une typologie comme ça assez basique, mais en même temps, je crois qu'elle correspond bien à ce qu'on peut observer. Et quelle est la clé qui distingue le niveau 3 du niveau 4? Eh bien, en fait, ça se situe essentiellement dans les modalités de langage. Alors, ça a peut-être l'air bête, mais en tant qu'anthropologue, je travaille sur la culture, et la culture, c'est le langage, c'est la parole qui vient mettre des mots sur les processus, sur les interactions. Et donc, on peut voir effectivement qu'en niveau 3, il y a un langage qui est très compétitif. Or, on nous a rappelé récemment qu'il y a une deuxième loi de la jungle qui est l'entraide. La compétition, bien sûr, c'est sain. Je n'ai rien contre la compétition, comme vous, je suis très entreprenant dans ma nature. Mais un excès de compétition met en échec la solidarité, l'entraide et la coopération, et ça n'est pas bon. Donc, c'est quand le langage de compétitif se matine d'enjeux prioritaires de coopération et d'être ensemble que il y a un changement qui se produit. Et le deuxième, il est absolument frappant, c'est le fait de passer dans les relations importantes de la relation bilatérale à la triade. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Parce que l'avantage du bilatéral et ses caractéristiques des organisations de stade 3, c'est quand vous êtes face à un interlocuteur, vous maîtrisez tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui ne vous échappe. Vous êtes maître de l'interaction. Mais dès qu'on est 3, c'est fini. Il y a quelque chose qui nous échappe. Et ça, pour des organisations en type 3, c'est une menace, parce que ça veut dire que je ne suis plus le dépositaire de l'information qui me donne un avantage. Mais pour une organisation de type 4, c'est magnifique, parce que chaque membre de la triade va aller dans d'autres triades, créer d'autres triades, et là, il y a une intelligence collective qui se dessine. Alors, je ne suis pas un immense fan d'Elon Musk, parce que ses expérimentations sur l'interface cerveau-ordinateur me terrifient. Mais par ailleurs, c'est un type quand même très audacieux et qui manifestement connaît un certain succès. Et si ça vous intéresse, il vient d'envoyer une feuille de route à tous les employés de Tesla avec un ensemble de recommandations, et c'est génialissime. C'est un peu badass comme est le type. Je pourrais vous la communiquer bien sûr dans l'article. Mais il dit évitez les réunions. La plupart du temps, elles ne servent à rien. Si vous êtes dans une réunion et que vous voyez que ça ne sert à rien, sortez. C'est peut-être impoli de sortir, mais c'est encore plus impoli de vous faire perdre votre temps à rester dans quelque chose qui ne vous est pas utile. Réfléchissez toujours au sens. Ne suivez pas l'idéologie managériale. C'est que même si on vous donne un ordre ou une contrainte, mais qu'elle n'est pas bonne, n'hésitez pas à ne pas la suivre. Il y a un ensemble de recommandations comme ça qui sont vraiment très typiques des organisations de type 4 et 5. Et au fond, ce qui est très intéressant, c'est qu'on observe que l'être humain s'épanouit dans ces contextes-là. Et au fond, c'est peut-être ça la difficulté que nous avons aujourd'hui dans le monde du travail, c'est que nous avons des collaborateurs qui sont tellement habitués au fait d'obéir, de demander comment faire autre part, à ne pas oser prendre des risques, à avoir peur de ce qu'en penseront les autres, et qui ne sont pas dans cette sécurité relationnelle du fait que même si je dis une énorme bêtise, c'est intéressant de l'avoir dite, et surtout de ne pas l'avoir suivie. Vous voyez ce que je veux dire? Cette espèce de confort. Et je disais à M. le Président que j'adorais la devise de son académie, « Si placet tuum est, si ça te plaît, c'est à toi. » Et moi qui ai grandi dans une pédagogie Montessori au niveau scolaire, je ne cesse de bénir mes parents de m'avoir accordé cela. Passer un milieu scolaire où l'enfant est encouragé à apprendre par lui-même. Et vous savez quoi? L'enfant adore apprendre par lui-même.
quand il trouve par lui-même comment comprendre des choses, c'est mille fois plus gratifiant que de s'être fait dire et d'avoir appliqué. Et donc voilà, moi je pense vraiment que nous sommes actuellement dans un rétrécissement maximal de l'intelligence collective. D'ailleurs, les analyses du désastre sanitaire le montrent. Il y a eu une pensée unique avec une agressivité complètement déraisonnable entre les voix discordantes, qui en l'occurrence étaient les garants de la bonne science, et une mise en échec redoutable de l'intelligence collective et de ce qu'on appelle le système de gestion des urgences, qui normalement est configuré d'une certaine manière. Et c'est justement, j'ai envie de dire, tout cet enfermement, ce rétrécissement, qui, dans une perspective d'espérance, est peut-être une bonne chose. Ça veut dire qu'en même temps, la faille fondamentale de ce modèle est en train de se dévoiler. Alors, jusqu'où faudra-t-il aller? C'est ça qui fait un peu peur. Mais en même temps, on est en train de voir que toutes ces manières de faire et ces manières de rétrécir l'humain à des paramètres qui ne lui correspondent pas est une hérésie. Et que les entreprises qui s'épanouissent et qui font une différence sont celles qui ont su ne pas se laisser enfermer là-dedans, à l'intérieur de certains garde-fous. Il est évident, j'ai évoqué Apple, que des entreprises qui ont connu des moments exceptionnels sont à risque de régresser avec une bureaucratisation, un évitement du risque. Et puis, tout ce que vous avez décrit, évidemment, n'est pas très rassurant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la corruption systémique qui prévaut partout est extraordinairement dissuadant de l'esprit d'entreprise et de la créativité et de ce qui fait vivre le bon. Donc j'ai envie de dire, nous sommes un peu à ce moment de tension à l'intérieur de nos sociétés, mais à défaut d'être confortable, au moins être passionnant. Je vous remercie.